ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Je vous salue tristement en ce jour à marquer d'une pierre noire, puisque notre cher Carlos s'en est allé au paradis des artistes irréprochables, de ceux qui, toute leur vie, ont témoigné d'autant d'esprit que de cœur. Il était des nôtres depuis 20 ans. Nous lui redonnerons souvent cette parole dont il usait si bien. Merci et adieu, Carlos. RTL, première radio de France. Vous nous écoutez depuis le bout du monde ? Les grosses têtes vous proposent de dialoguer avec elles. Si vous avez l'habitude d'écouter les grosses têtes au bout du monde, alors écrivez-moi, je vous rappellerai, et à la rentrée, nous bavarderons en direct. Inscrivez-vous sur rtl.fr, rubrique Les auditeurs du bout du monde, pour participer aux grosses têtes en direct sur RTL. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Quelques instants, notre invité d'honneur sera Guy Carlier, qui aime tellement notre Johnny National qu'il est devenu son bossuet. Voici vos grosses têtes. Grand talent, grand cœur, grande gueule, grand tout court, Jean Amadou. Oui. Du genre à faire traverser les aveugles qui ne veulent pas changer de trottoir, Bernard Mabille. Bonjour. Quand il aperçoit un ministre, ses yeux brillent comme le fond de mon pantalon, Jacques Maillot. Bien que formée, puis déformée par Dali, elle ne ressemble toujours pas à un vieux tableau. Amanda Lear. Quand le soir venu, il entreprend de faire le tour de lui-même, il ne se couche jamais de bonne heure. Carlos. Alors, une déclaration essentielle de Julia Roberts. Oh là là, vous savez, cette grande fille, simple, énorme. Pretty Woman. Énorme, mais pas énorme. Si, à côté de moi, c'est la Tour Eiffel. Elle est belle, elle est de bouche. Bien proportionnée, pleine de talent. Calme-toi. Avec tout ce qu'il faut, la bouche. Jacques Maillot qui est dans tous ses états à cause de la bouche de Julia Roberts. Ah oui, elle a une bouche. C'est vrai qu'elle a une bouche. À faire des gâteries à toutes les cheminées des hauts fourneaux. Ah, ah bah oui, elle aurait ressuscité la roue. Hein. Alors, ah moi, je on est allé lui demander ce qu'il y avait de plus important dans sa vie. Et elle a dit « Ma grande victoire de la journée, c'est quand tous mes enfants ont fait dans le pot. » Oui, c'est vrai, elle a dit parce ça. Qu'elle est mariée, elle est italienne. Et mère de famille. Non, non, elle a eu des jumeaux, je crois. Ouais. C'est Alain Prost qui disait ça quand il était chez Midas. Bon, ça, c'était pour bien affirmer qu'elle était devenue une femme comme toutes les autres. Et elle est vraiment une actrice glamour. Femme, hein. Et, bon, glamour, mais très simple. Hein. Ah oui, très simple. Je la trouve formidable, cette femme-là. Et non, c'est bien quand on fait dans le pot. Oui. Enfin, bon. Tu peux nous développer le sujet, Amanda. Il y a Amanda qui veut faire dans le pot. Non, vas-y, fais. Alors, comment tu fais Et comment vous faites pour que vos enfants fassent dans le pot? Bon, d'abord, j'ai pas d'enfants. Mais oui, c'est pour ça que c'est difficile. Ça doit pas être si difficile que ça. On les assied dessus. Vous avez un pot, mais il n'y a pas d'enfants. On les assied dessus. On dit, tu te lèveras. Elle ne veut pas dire viser le pot, elle veut dire faire, c'est ça. Non, mais les amants. Les amants. Ah, les amants, ah oui. Exactement. Et je vous remercie de cette explication de texte. Bien sûr. Ça doit être pris dans l'acceptation de se libérer et pas du tout de bien viser. Bah voilà, alors qu'Amanda pensait bien viser. Non, non. Se libérer. Quand on est une actrice, il faut savoir changer de peau en plus, c'est vrai. Ça se passe au Massachusetts. Ah oui. English
Il y a des massages pour les chaussettes. Ouais. Alors, ça rappelle d'ailleurs des scènes plus tragiques. C'est la petite amie d'un détenu qui vient et qui est admise à le rencontrer dans le parloir. Alors, elle arrive, elle l'embrasse sur la bouche, c'est normal, c'est toléré. Au milieu de la visite, elle demande par faveur spéciale de pouvoir encore l'embrasser. Bon. Mmh. Et à la fin, elle lui fait un gros baiser d'adieu. Et alors, elle a profité de ces trois baisers pour lui refiler des trucs dans la bouche. D'abord, les clés de ses menottes. Ensuite, une lime. Ah ouais, c'est fort. Et un téléphone portable. Et enfin, une mini-grenade. Ah, dis donc. Dans la bouche. Dans la bouche. Bon, la dernière fois qu'une femme m'a embarrassé, elle m'a refilé des aftes. Ça n'a rien à voir. Hein. Et souvenez-vous, je crois que c'était Göring, oui, qui, à la veille de son exécution, avait reçu une ampoule de cyanure, avec laquelle il s'est donné la mort. Oui, mais ça, c'est tout petit. Son gardien américain, GI, qui lui a fourni. On disait qu'Agnelli avait ça aussi. Mais il faut vraiment avoir une grande bouche. C'est une caisse à outils, là, carrément. Non, une lame de rasoir, à la rigueur, c'est tout plat. Une lame de rasoir, quand tu roules une galoche, excuse-moi, mais tu me montreras comment tu fais alors, hein. La grenade, t'imagines une grenade. Ah oui, oui. Mais il y en a qui sont très habiles, elles cachent des trucs sous la langue et tout. Ah oui, souvent, oui. Vous savez, il y a même des prostituées, paraît-il, qui arrivent à vous mettre le préservatif avec la bouche. Oui, 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 ça, c'est courant. Ça, c'est courant, il faut sortir, Amanda, c'est courant. Ça. Ça, Amanda, la grande Lulu, elle t'en met deux à la fois. Amanda, tu sais où est le code barre sur le préservatif? Ah non, il y a un code barre, non, ça va. Oui, c'est parce que tu le déroules pas, c'est... Et on retrouve vos grosses têtes sur RTL avec aujourd'hui autour de Philippe Bouvard, Amanda Lear, Jean Amadou, Bernard Mabille, Carlos et Jacques Maillot. Là, ça se passe en Chine et il y a le commentateur le plus célèbre. C'est le gène Sakomano chinois, matinée de Thierry Roland. Il a une femme qui est également présentatrice de sport à la télévision. Et puis la chaîne qui les emploie décide de les réunir sur le même plateau pour la nouvelle année. Non, c'est pas parce que l'année chinoise c'est autre chose. Non, mais pas parce que c'est l'anniversaire de la chaîne. Et alors elle vient et elle fait la gueule. Alors il lui dit mais qu'est-ce qu'il y a, ça va pas. Et elle lui dit je viens d'apprendre que il y a 2 heures que tu me trompes avec une femme. Et elle sort la photo de la femme et elle donne en direct la télévision. Il faut se méfier de lui. Ah d'accord. Et elle dit et ce soir quand tu vas rentrer à la maison, attends-toi au pire. Garde tout ça en direct. Vous imaginez nous ça pourrait donner? Ce serait le vrai bonheur ça. Ah, oui. Enfin il y aurait des choses qui seraient, on serait attiré, on serait devant, on serait là en se disant qu'est-ce qui va se passer ce soir. On va essayer de trouver des noms alors pour voir. Qu'est-ce qui s'est passé le soir? Le soir, on ne sait pas, mais on les a revus tous les deux le lendemain. Les dégâts ont été limités. C'est peut-être un coup de pub. Ouais. Peut-être. Mais pourquoi? Parce que nous, ça se passe toujours dans la coulisse. Hein. Oui, ça serait bien on en direct. On apprend qu'ils divorcent ou qu'ils se sont trouvés un nouveau copain. Mais jamais ils s'engueulent, c'est vrai, en direct. Mais en public, sourire de rigueur. Ils ont un créneau étonnant en plus. Le progrès technologique au service du soupçon. Alors bon, je m'explique. Vous savez qu'il y avait un tas de gens qui soupçonnent leurs contemporains. D'abord, les femmes ou les hommes qui soupçonnent de tromperie leurs conjoints. C'est rare. Bon. C'est rare. Alors là, c'est un nouveau service qui est peut-être pas très légal, mais qui est astucieux, moyennant un débours de 600 euros. Quoi? Et quand on est jaloux, il faut débourrer. Il faut débourrer 600 euros. Oui, mais quand on est jaloux, c'est rien, 600 euros. Ouais. Vous pouvez mettre sur le portable de votre copine ou de votre copain un mouchard. Un mouchard qui vous permet d'entendre la conversation pendant qu'elle se déroule. Oh la vache. Et on les fabrique où à Cholet, les mouchards? Il paraît qu'il y a un petit mouchard de Cholet bien connu. Les hommes sont tellement épouvantables. Les hommes sont épouvantables. Ne sois pas aigri, Amanda. C'est vrai. La femme qui fouille dans le pantalon de son mari,
c'est pas bien d'abord, et elle trouve un petit mot avec Rosalie. Elle dit, qui c'est cette Rosalie? Ah, il dit, c'est un cheval qu'on m'a dit de jouer. Je dois le jouer demain dans la première. Ah, très bien. Et le lendemain, elle vient le soir, elle dit, tiens, il y a ton cheval qui a téléphoné deux fois. C'est vrai qu'en plus, les hommes sont d'une maladresse. Ah oui, c'est on n'est pas bon. Dans le même style, il y a l'histoire, le mec qui dit à sa femme, aujourd'hui, je pars à la pêche. Je lui dis, oui, je sais, ta truite t'a déjà appelé au téléphone. C'est le même genre. Hein, c'est oui, c'est ça. Oui. Vous avez été souvent trompé, Amanda? J'espère pas trop, mais je l'ai été comme tout le monde, parce que les hommes sont absolument des salopards. Et l'histoire du portable... Sauf Amanda, c'est sauf votre respect, que si vous étiez restée vierge, vous n'auriez jamais été trompée. Bah oui. Oui, c'est évident. Ouais, ouais. Mais le gros problème, c'est que quand ça on n'a pas ensemble 24 heures sur 24, raté des forcément... Trucs, et alors les types, c'est entre midi et 2 heures, des fois c'est au bureau, c'est le temps de sortir, fumer une cigarette, c'est incroyable. Les sont d'une rapidité, ils vous trompent avec la première qui passe. Non, c'est des coches, vraiment. Ça Bonjour madame, au revoir madame, bonjour madame, oui, voilà, bonjour madame. Alors que nous, il nous faut toute une autre atmosphère qu'on peut pas faire. Il faut bien l'après-midi. Attends. S'ils font ça rapidement, il faut qu'ils trouvent des filles rapides, t'es marrante. Hein oui. À t'écouter, ça dure 8 heures et il tire tout ce qu'il veut en 2 minutes. Il y a quelqu'un qui rentre chez lui un peu plus tôt que d'habitude et il trouve sa femme à poil sur le lit. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'ai rien à me mettre. T'as rien à te mettre? Il ouvre le placard, il y a cette robe de chez Dior que je suis voyé. Regarde ce petit ensemble de chez Chanel. Et là, ce truc en jean merveilleux. Bonjour, monsieur. Et là... Alors, autre progrès technologique, le détecteur de stress vocal. Oh là là. Et là, ça devient encore plus sérieux puisque ça s'adresse d'abord aux employés des compagnies qui, à leur risque et péril, et il y en a pas mal, acheminent les fonds. Les convoyeurs de fonds. Alors, on enregistre leur voix un jour où tout va bien, où tout est parfaitement normal, et l'appareil est sensible. Lorsque ils sont menacés, agressés, l'appareil lui-même découvre une inflexion qu'il ne connaissait pas et alerte directement la police. Ah, c'est formidable. C'est formidable. Ah, ça, hein. C'est bien. Ah oui. Non, mais ça avait été dangereux, ça. Tout le type dit « je suis agressé ». Non, justement, non, il n'a pas besoin de le dire. Il n'a pas besoin de sa voix, simplement. À la tonalité de sa voix, on comprend qu'il a un gros problème. Si tout va bien, tout va bien. Bonjour, monsieur, vous avez un revolver, vous voulez de l'argent? Les grosses têtes de Philippe Bouvard, 7 jours sur 7, c'est sur RTL. Place aux grosses têtes sur RTL jusqu'à 18h avec Philippe Bouvard et Amanda Lear, Jean Amadou, Bernard Mabille, Carlos et Jacques Maillot. Le talent du jour, c'est celui de Claire. Elle joue un spectacle qui est mis en scène par Pascal Légitimus. C'est une comédienne, c'est aussi une adepte du One Woman Show. Et c'est une banlieusarde qui, vous allez l'entendre, a parfaitement assimilé les dialectes parlés de l'autre côté du périphérique. C'est clair. Oui, comment je suis trop content de toi, t'as vu? C'est quoi là, moi, je reviens de ma cité là? J'étais là comme ça, assis sur un banc, t'as vu? J'étais là tranquille, j'enlève mes chaussures, les orteils dans l'air, t'as vu? J'étais bien, je regarde la nature, le soleil, les... Oh, je déconne. T'es là comme ça, là, dans ma cité, là, sur le bitume, en train de tenir le mur, à côté d'un Don Quichotte. Ah, tout d'un coup, je me dis, hey, wesh, je vais m'évader. Ah, tu sais ce que je fais, moi, pour m'évader? C'est quoi, moi, je lis des livres. Quoi? C'est parce que j'arrive de ma cité ou quoi? Moi, je lis des livres. C'est quoi là? Je lis un livre de science-fiction. C'est ce que c'est mon livre de science-fiction? La Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça, comment ça éclate sa mère, ça? Ça, je te promets, c'est trop facile à lire, quoi. Ça, c'est une trentaine de petites histoires. Genre science-fiction comique. Je te promets, ça, c'est trop puissant. Ça, c'est une phrase, un rire. Tranquille, écoute. Tous les êtres humains naissent libres, égaux, en dignité et en droit.
C'est pas de la science-fiction, ça. Et l'auteur, tu sais, c'est qui? C'est M. Amnesty, quoi. C'est comme un âge qui fait son reconnu sur la bande à boubou, tout ça, mais Amnesty, je connaissais pas, attends, c'est pas fini. Et ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ta mère. Tu vois, tu ouvres le bouquin, tu lis ça, d'entrée, ça te pose les pieds sur une autre planète, quoi. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Attends, je vais te lire une autre blague. Chacun peut se prévaloir de tous les droits, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion. Attends, mais il faut savoir lire à travers les mots, quoi. Ça veut dire que sans distinction aucune, moi et Mohamed, on peut rentrer en discothèque. Comment il bombarde sa mère, Amnesty? Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. C'est quand même, à mon avis, Amnesty, il a dû sniffer du plâtre. Hein. Mais du bon, hein. Tu vois, en tout cas, ce livre-là, tu vois, ça devrait être obligatoire à l'école, quoi. Mais oui, mais le problème, tu vois, c'est que les yeuves, les vieux, ils pensent que nous, les jeunes, on n'a pas envie de lire. Tant, c'est pas faute d'avoir envie de lire. L'autre jour, je vais à Carouf. Je demande le petit prince, mon filet de gâteau. Franchement, hey, les mecs, il faut qu'ils arrêtent la télé, je te promets. Toute personne a le droit de circuler librement. Sauf Momo, il a toujours pas ses papiers. Hey, c'est quoi la blague qui déchire le plus? C'est une blague, c'est pour les chômeurs, je te promets. C'est quoi? Quand je l'ai raconté à Momo, il était raide par terre sa mère, t'as vu? Hey, il faut dire que Momo, il est collectionneur. Momo, il est chômeur, SDF sans travail. Quand je l'ai raconté, il était éclatement. Écoute, écoute. Ouais, éclatement, écoute. Toute personne a droit au travail et au libre choix de son travail. Et tu sais quoi? Depuis ce jour-là, Momo, il a arrêté la drogue, je te promets. Maintenant, Momo, il shoot juste au droit de l'homme, quoi, tranquille. Je te promets. Il arrache les pages, il est roulé les fumes. Moi, je t'en ferai une petite dernière pour la route. Tous ont droit. Voilà. Déjà, ça, c'est drôle, non? Ouais, je vais te la faire en entière, quand même. Tous ont droit, virgule, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. Et tu sais quoi? À mon avis, ça, ça doit se passer en 2230, un truc ça comme, quoi. Je sais pas, je vais dire, à mon avis, Amnesty, il a dû se taper des douilles, quoi. Parce que là, quand tu vois ce livre-là, ça, ça démonte, quoi. Moi, je me dis ça, tu vois, faudrait le populariser, quoi. Moi, je me dis ça, tu vois, faudrait le décliner sous toutes ses formes, quoi. Je sais pas, moi, on devrait en faire des films au cinéma. Oh, le fabuleux destin des droits de l'homme. En tout cas, tu vois, moi, je me dis que vivement que M. Amnesty, il fasse le tome 2. Merci beaucoup. Je voulais vous dire que le prochain enregistrement des Grosses Têtes de Philippe Bouvard aura lieu lundi à 10h avec les invités d'honneur Philippe Trétiac pour son livre Limites vulgaires et puis Philippe Candeloro pour son spectacle d'adieu Hello et Goodbye, donc lundi à 10h au grand studio de RTL 22 rue Bayard à Paris dans le 8e. Nous allons faire la connaissance de Daniel Juvin qui vient de La Roche-sur-Yon pour être notre auditeur du fond de la salle. Bonjour, monsieur Juvin. Bonjour. Asseyez-vous. Il est costaud, hein, monsieur Juvin. Il est comme Amanda les aime. Hein. Là, il y a du répondant. Hein. Mais blond. Juvin, ouais. Il est barricé. Vous arrêtez d'essayer de me caser. Ouais. C'est le genre d'homme, s'il vous dit t'es un con, moi je lui demande que pourquoi il l'a su. Hein. Quel est votre métier, monsieur Juvin? Médecin. Ah, de sans blague. Oui, ah, dites ouais. Donc. C'est le premier de la... On n'a jamais eu de médecin parmi nos auditeurs. Ouais. Alors qu'il devrait peut-être y avoir un médecin de service dans le studio, non? Dans les théâtres, c'est obligatoire. Ça serait fort agréable. Au-dessus d'un certain nombre de places. Oui, au-dessus de 300 places. Mais il paraît qu'il y a de la demande et qu'il y a toujours des volontaires, des médecins qui sortent pour voir des spectacles. Ça vous est arrivé? Non, pas encore. Non. C'est vrai que les. Mais il y a beaucoup de demandes en ce moment pour les spectacles, les courses, les matchs de foot.
Dans une pièce qui jouait à Broadway, à un moment donné, Groucho Marx ouvrait le rideau comme ça. La rideau est fermée, il ouvrait le rideau, il faisait « Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle ?» Il y a toujours un mec dans la salle qui faisait « Oui, ça vous plaît la pièce, docteur ?» Médecin généraliste ? Oui. Il faut saluer, parce que il y en a de moins en moins, et c'est un métier de plus en plus dur. Hein. C'est un métier qui demande beaucoup d'heures, oui. Ah oui, beaucoup d'heures, pas tellement de profit, faut bien le dire. Hein. Il y a plus malheureux. Appeler au milieu de la nuit, en plus, quelquefois. Vous faites des visites à domicile ? Non, je travaille à l'hôpital. Ah oui. Sinon, vous aurez donné l'adresse d'Amanda, elle est au deuxième étage. Quoi, pour me prendre la température ? Tout de suite. Mais ici, on est très sourcilleux sur la santé des gens. On les passe à la radio tous les jours. Hein. Oui. Et là, apparemment, comment vous les trouvez ? Ben, en très bonne forme. En très bonne forme. Oui. Oui. Surtout qu'il n'y a pas que des perdreaux de l'année. Hein. Mais on a des heures de vol. Hein. Pour arriver jusque-là, c'est que la santé est bonne. Oui, finalement. Hein, Bon diagnostic. Ils ne fument plus. Déjà, ils ne fument plus. Ah oui, on fume plus. Donc après l'amour. Là, je ne crois pas m'avancer beaucoup en disant que tous ceux qui sont là ont évité la mortalité infantile. Hein. Oui. Pas forcément toutes les maladies, mais la mortalité, oui. Oui. Gardez Amanda si elle est superbe. Non, mais moi, je me soigne. Je ne bois pas, je ne fume pas. Ma vie sexuelle est qu'un souvenir. Ma vie n'est qu'un renoncement. Ah, ouais. Vous déconseillez l'activité sexuelle pour conserver la santé, docteur Juvin ? Ah non, pas du tout. Ah non, il paraît que c'est bon. Non, au contraire ? Oui. Ouais. C'est bon, éventuellement, vous donnez des adresses. Bon, la Vendée est très mal pourvue en genre d'adresse. Oui. Ouais. Ah oui, Philippe Deville est un peu bégueule. C'est le pays des choix. Ils ont fermé le dernier salon de massage. Ah oui ? Oui. Oh là là. Alors, il paraît maintenant que c'est la grande mode des chefs d'entreprise qui offrent des massages à leurs employés. Mais en fait, dans les aéroports... Qu'est-ce que vous attendez pour nous en offrir ? On peut se faire masser avant de... Oh, il y a des tas de chefs d'entreprise qui sont fait masser par le secrétaire depuis très très longtemps, du massage particulier. Ouais. Vous écoutez la radio, docteur ? Ben malheureusement non, je travaille, mais je l'écoute en podcast. Ah bon, je vous écoute en podcast. Bon, mais alors comment êtes-vous arrivé ici ? Parce que bon, vous partez de La Roche-sur-Yon, vous aboutissez rue Bayard, par hasard complètement ? En voiture. Je venais passer les fêtes de fin d'année chez des amis à Paris. Ouais, vous êtes et on se dit, tiens, tant qu'à faire être à Paris, autant aller... Je vais aller au zoo. Il a vu de la lumière... La sécu, comment ça marche, docteur ? De moins en moins bien. Ah, ouais, oui. Ah. La santé a un coût, elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et là, vous parlez en toute franchise médicale. Toute franchise, oui. Tous les trous ont un coût. Ah oui. Oui. C'est-à-dire qu'elle coûte de plus en plus et elle rembourse de moins en moins. Hein. Oui. Ah oui. Mais plus ça va, plus on vieillit, plus on coûte cher, et plus on coûte cher, et plus ça coûte cher à l'État. Bah oui. Ça, c'est la faute au médecin. Ouais. Oui. C'est la faute au médecin, je veux dire. Vous, qu'est-ce que vous avez à guérir des mecs de 75 ans ? Merde. Si vous pouvez, vous faire un effort, et là, la sécurité sociale, ça ira beaucoup mieux, vous verrez. Vous les guérissez. Alors évidemment, ils vivent vieux, qu'est-ce que vous voulez ? Gardez, au Moyen-Âge, tout le monde mourrait à 40 ans. Voilà, la sécu, il n'y a pas de problème de sécurité sociale. Ouais. Bon. Et les caisses de retraite se portaient bien. Oui, la sécu, c'est très important. Il y a dans une petite ville, il y a un grand chirurgien, le plus grand chirurgien, qui est amoureux de la femme du maire. Et ils se voient en douce, bien sûr, ils ne peuvent pas se voir, c'est une petite ville. Alors elle lui dit, écoute, j'ai envie de toi, c'est pas possible, ça fait un mois que je ne t'ai pas vu. Fais-moi l'appendicite. Il ne t'a pas l'appendicite, ça ne fait rien, tu me fais une petite cicatrice, ça on aura 8 jours. Bon, il fait l'appendicite. Elle n'en peut plus, 2 mois après, elle dit, écoute, j'en peux plus, il faut que je te voie, coupe-moi le petit doigt. Dis que j'ai le cancer du doigt. Non, c'est pas possible. Elle lui coupe le petit doigt, puis de fil en aiguille, il lui coupe la main, il lui coupe le bras. Quelle horreur. Puis il lui coupe l'autre bras, puis il lui coupe les 2 jambes. Alors, ils font l'amour dans la clinique, comme ça. C'est juste un tronc. Les gestes. Elle dit, tu sais, il va falloir qu'on se méfie. Il dit, pourquoi ton mari est au courant ? Il dit, non, mais je pense que la sécurité sociale commence à se douter de quelque chose. Voilà, eh bien, docteur Juvin, vous repartirez avec cette petite blague pour raconter à La Roche-sur-Yon. Et puis, le souvenir cordial des grosses têtes. Merci docteur Juvin. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. 16h-18h. Sur RTL. Salut à toi. Moi, Astérix, avec RTL, je vous souhaite une année 2008 pleine de potions magiques.
notre service hospitalier, nous avons aujourd'hui réuni quelques internes de grande compétence. Le docteur Amadou. Le docteur Maillot. Le docteur Mabille. L'urgentiste Mandalire. Et le professeur Carlos. Et puis, voici venir notre invité d'honneur. Il a imaginé d'enterrer Johnny Hallyday avant d'éclater en sanglots comme une midinette. C'est Guy Carlier. Et considérez-vous, puisque c'est désormais notre rituel, comme placé en garde à vue. Johnny sait-il que dans ce livre intitulé « Quelque chose de Johnny », vous l'avez fait mourir ? Je pense que oui, je lui ai envoyé en lui racontant le livre dans la dédicace de façon à ce qu'il n'ait pas besoin de le lire. Non, mais... C'est pas méchant. Non, c'est pour épargner son temps, parce qu'il sait parfaitement lire et compter. Voilà, mais en plus, si vous voulez, j'imaginais que son entourage, qui n'est pas épargné par le bouquin, on en parlera, lui présenterait le livre en lui disant, voilà, Carlier t'a fait mourir, sans lui dire qu'il s'agissait finalement, au fond, d'un livre d'amour. Oui. Pourquoi avoir chassé prématurément du monde des vivants une idole encore en pleine santé? L'idée m'est venue en voyant à la télévision un bandeau défiler au bas de l'écran. Vous savez que, comme on a tous en souvenir, la mort de Pompidou avec ce bandeau qui défile. Oui. Et je dis d'ailleurs dans le livre qu'on nous disait depuis des semaines qu'il souffrait d'hémorroïdes, ce qui est quand même ahurissant, vous vous souvenez. Puis on a vu, et pas de Johnny, hein, c'était pas de Pompidou. Johnny. Et donc, mais l'idée m'est venue, disais-je, en voyant défiler en bas de l'écran un bandeau cet été annonçant la mort de Michel Serrault, et en voyant les réactions, notamment de l'abbé de la Morandais, enfin de certaines personnes, et je me suis dit qu'en imaginant la mort de Johnny, j'avais de quoi faire un tableau de la société contemporaine assez intéressant. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus gratifiant de lui faire célébrer son centenaire ? Non, je pense pas, parce que là, vous savez que la mort confère une espèce d'aura, de prestige. Vous même. Vous préférez la bière au champagne. Oui, absolument. Oui, absolument. Derrière le cercueil de Johnny, il y a selon vous beaucoup de monde. Oui. À quelle place vous situez-vous vous-même ? La moindre des politesses quand on allume les contemporains comme je le fais, c'est de pratiquer l'autodérision. Vous l'avez fait. Et je le fais dans ce livre. Donc pour répondre à ça, je me situe à la place de ceux qui viendront à la mort de Johnny évoquer, parler de leur amour pour Johnny, etc. Et pour ne faire au fond que leur propre promotion. Oui, alors bon, vous n'êtes pas tendre envers vous-même, mais parce que peut-être que vous savez que l'autodérision désarme la dérision, hein ? Non, c'est simplement parce que j'ai écrit de moi ce que j'aurais aimé. Vous savez, quand je faisais beaucoup de télévision, j'avais des réactions très violentes, mais très premier degré. Alors que quand on s'efforce, vous le savez, Philippe, d'écrire quelque chose de caustique, de cruel, parfois, mais on essaie d'y mettre un peu de plume, quoi. Et vous avez des réactions premier degré, très violentes, très là, sans intérêt. Vous imaginez qu'après la mort de Johnny, Michel Denisot, pour ne pas le nommer, oui, vous a invité dans son émission de Canal+, et que vous y êtes allé. Bien sûr. Et alors vous dites, ah, il a invité Guy Carlier, ce type-là m'exaspère. Il a construit sa pitoyable popularité en flinguant la télé pendant des années, et aujourd'hui le voilà prêt à tout pour trimballer son ventre sur tous les plateaux de télé et nous infliger son goulash intellectuel où tremble dans une soupe nostalgique des morceaux d'ironie caustique et des enthousiasmes de midinette. Midinette, je n'ai jamais pensé à vous sous cette forme-là. Ah ben, vous avez tort. Ben, le livre en est le témoignage. C'est évidemment la caricature, c'est le Carlier que j'aime pas. On a tous ici des une face qu'on n'aime pas, des facilités,
des choses qu'on n'aime pas dans notre façon de travailler. Il n'y a qu'une page sur 200, hein. Non, il y en a deux. Oui. Je ne sais pas si c'est de la modestie ou si vous vous êtes habitué à vous-même. Donc... Pourquoi transformer le convoi funèbre de Johnny en caravane du Tour de France ? Mais parce que tout est comme ça. J'imagine simplement que c'est son producteur historique, Jean-Claude Camus, qui organise les obsèques de Johnny. Il doit être content en lisant ça. Et donc je décris les obsèques qui sont évidemment pharaoniques et évidemment qui ont un coût pharaonique également. Et vous savez très bien, il n'y a aucune scène dans ce bouquin, quand je parle des réactions à la télé, qui ne soit vraisemblable, même à la fin ça part en vrille. Mais quand je dis qu'à TF1 il va y avoir une émission spéciale animée par Nikos, où des mecs de la Starac vont venir chanter du Johnny et où on va faire gagner en faisant téléphoner à des numéros sur Taxa avec des questions à la con, Johnny Hallyday a chanté un organe, est-ce quoi ma hanche, quoi mon genou, quoi ma gueule, et les gens vont appeler, tu vois, ils vont dépenser des fortunes. C'est évident que ça va arriver. À propos de Nikos Aliagas, est-ce que c'est gentil de dire qu'il ressemble à un vendeur de livres en visite dans un club sadomaso ? Mais oui, mais Nikos a le complexe du rock'n'roll, vous voyez. Alors, on dira ce qu'on veut de Johnny, on lui a fait chanter des conneries, danser des conneries. Attendez, on lui a fait chanter des conneries, mais vous avez écrit une chanson pour lui. Vous l'arrangez dans ce que... Même ce que j'appelle les conneries, c'est les conneries maintenant en tant que quinquagénaire. Quand j'avais 10 ans, ce que chantait Johnny a changé ma vie d'enfant. Donc, il faut faire attention, vous voyez ce que je veux dire. Même si 2 ans après, c'était terminé, les Beatles arrivaient, etc. Et Johnny devenait ringard. À 10 ans, quand j'ai vu la pochette de ce type-là dans le magasin Tout Élec à Argenteuil, il a changé nos vies de gamins. Et quand 45 ans après, vous écrivez une chanson pour Johnny, il y a une boucle, il y a quelque chose dans votre vie qui se boucle. Une dernière question avant de lever, mais très provisoirement, votre garde à vue. Est-ce que vous croyez à sa retraite ? Oui, je crois. Évidemment, il y a un côté adieu. Celle de Maurice Chevalier a duré 12 ans. Il y a ça. Je pense qu'il y aura des concerts ponctuels, il y aura des choses. Mais là, il fait le Stade de France. Je pense qu'il veut faire un grand spectacle au Stade de France pour marquer la fin d'une époque, en tout cas. Philippe Bouvard et ses grosses têtes sur RTL jusqu'à 18h en compagnie d'Amanda Lear, Jean Amadou, Bernard Mabille, Carlos, Jacques Maillot et puis l'invité d'honneur Guy Carlier pour son livre Quelque chose de Johnny. Voilà. Est-ce que les fabricants de lunettes figurent parmi les sponsors du dernier hommage ? Oui, bien sûr, parce que Camus, pour amortir le coût des obsèques, organise une caravane publicitaire comme le Tour de France. Donc vous avez, d'abord, il convoque aussi les Hells Angels, vous avez les motards, enfin, il y a tout un truc. Et puis, il y a une caravane. J'ai regretté que le corbillard ne soit pas traîné par des motards. Non, mais ils sont là, les motards, et puis il y a une caravane publicitaire, et il y a effectivement cette marque de lunettes avec un sosie de Johnny Hallyday, et Johnny Holloway, qui est un vrai sosie, un type qui fait des tournées comme ça, et qui tient un loup en laisse comme ça. Et alors, les autres Atoll 2000 avec Antoine ont décidé au dernier moment de faire une contre-attaque, et donc il y a un sosie d'Antoine avec un perroquet qui sur l'épaule, qui est derrière le loup et le perroquet fait Johnny crétin, etc. Et cette caravane distribue des conneries au public, enfin ça devient évidemment totalement fini. Jacques Attali prend la parole sur la tombe de Lachaise, fait pour Coluche d'ailleurs. Moi j'ai rencontré une fois Jacques Attali, et alors cet homme-là porte ça, on dirait que dans son CV il y a écrit obsèque de Coluche, vous voyez, en première page. Au revoir, adieu ma poule. Adieu ma poule. Et donc là il arrive et il regrette que la télévision ne retransmette pas la cérémonie au-delà de l'église de la Madeleine et qu'elle n'aille pas au Père Lachaise, parce qu'il a prévu un éloge funèbre. Il a fait un beau texte. Hein. Voilà, un beau texte avec une chute que je vous laisse deviner dans le livre, qui est plus forte que le au revoir ma poule, que le salut ma poule. Il faut quand même le dire, parce que cette chute-là, elle est quand même une atteinte au bon goût et à la civilité puérile et honnête. Hein. Alors il demande ce qu'on demandait d'ailleurs dans certains concerts du vivant de l'artiste. Oui. Hein. Y a-t-il quelqu'un qui aime Johnny au Père Lachaise ce soir ? Là, on s'écarte de la vraisemblance. Oui, évidemment. Mais je me dis, j'imagine qu'Attali va souhaiter faire l'éloge funèbre de Johnny, et puis qu'il va évidemment chercher
le gimmick à la fin qui, dont on se souviendra comme le salut ma poule dont on a parlé. Ça marque, hein. Ouais. Alors, il y a Michel Sardou qui est venu, comme d'ailleurs de nombreuses célébrités survivantes. Oui, Sardou et Panis se disputent le titre de prétendant, évidemment. Il a des problèmes pour pleurer. Alors, il a un truc qu'il faut donner, d'ailleurs, à ceux qui nous écoutent. Ça, c'est un truc que m'avait donné un copain au collège et qui marchait assez bien, c'est-à-dire que quand par exemple une fille refusait nos avances avec au collège, elle disait non, je préfère garder notre amitié, l'alibi, voilà. Et donc on a connu la même. Je t'aime mais d'amitié, notre amitié est trop belle pour la gâcher, etc. Et donc là vous retournez et discrètement vous tirez un poil du nez et alors ça fait jaillir une parfaite larme qui coule le long de votre nez, etc. Et donc Sardou utilise il se retourne et il tire un poil du nez comme ça, il fait perler une larme sublime. Bon, qui veut la fin veut les moyens, hein. Est-ce que vous déplorez qu'aux enterrements, on ne rencontre par définition que des seconds rôles, puisque bon, le principal, il est hors de là, en l'occurrence, oui, ce ne seront que des seconds rôles. Que des seconds rôles, hein. Ouais. Comment est-il possible de sortir 16 bouquins en 5 ans? Dans les 16 bouquins, il doit y avoir 10 bouquins de chroniques que j'écris quotidiennement. Vous savez ce que c'est. Donc, ça, ce sont des compilations. Ça se fait tout seul. Oui. Mais enfin, il y a aussi du nouveau, quoi. Est-ce que d'accumuler les livres, vous avez perdu des kilos? Non. Ça multiplie le stress, donc ça fait pas perdre. Le livre vous stresse? Oui, tout dans ce métier, il me stresse, bien sûr. Oui. Tout vous stresse. D'être ici avec nous, ça vous stresse. Oui, c'est ce que je disais avant d'entrer. J'attendais votre présentation, etc. Et je me disais, c'est toujours très, très impressionnant d'entendre. Il a écrit, etc. Et la porte va s'ouvrir. Vous entrez, il y a un public. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre, hein? C'est pas dire, on va se mettre à table, on va manger un bœuf bourguignon et on fera une belote. Ah bah là, pour le coup, je prendrais des kilos. Est-ce qu'il n'est pas injurieux de dire au retour de Gstaad où vous aviez été invité par... Non, je n'ai pas été invité. Je suis allé, parce que je suis allé voir la maison, mais je n'ai pas été invité. Ah ben non. Ah, je pensais que vous aviez été accueilli. Non, je suis allé voir la maison. Je voulais documenter. Vous avez dit là-bas tout est beau sauf la baraque. De Johnny. Oui, c'est vrai. Je vous parle un peu de ça. J'y suis allé donc l'été dernier. C'était la première fois. Et, c'était un pèlerinage alors. Oui, je voulais voir cette maison. Oui. Donc on m'a expliqué où c'était. Alors, Gstaad est une ville piétonne. Hein, les voitures n'ont pas le droit d'entrer dans la ville. Mais vous avez à la sortie de la ville ce qu'on appelle la route de dégagement. Donc vous passez sous un pont de chemin de fer qui sent l'urine, comme souvent ces ponts. Voilà. Oui. Et vous prenez une route qui monte dans la montagne le long d'un torrent. Qu'on appelle la route de dégagement, c'est-à-dire tout est piéton, sauf là, il y a les camions, il y a truc pollué, etc. Oui, sa maison sa maison est là. Oui. Donc en dehors de la ville, sur la route de dégagement. Et alors, étonnamment, elle est située dans un virage, c'est-à-dire que la route passe en contrebas de la maison, à peu près 2 mètres en dessous, mais la chambre à coucher, la maison est là, quoi. Elle est au bord de la route. C'est-à-dire qu'il est à 2 mètres de sa chambre à coucher, est à 2 mètres de la route. Je suis vraiment Johnny, étonné. Johnny qu'il peut serrer la main au routier. Ouais, pratiquement, quoi. C'est vraiment. Vous dites d'ailleurs que c'est une maison pour les impôts. C'est ce que, en voyant cette maison et en voyant d'autres maisons de Gstaad, je me suis dit, c'est pas possible qu'il ait choisi esthétiquement d'habiter là, alors qu'on voit des choses très très belles, très belles et très tranquilles. Mais enfin bon, est-ce que c'est gentil de dire tout ça sur quelqu'un qui constitue un phare pour vous, car Johnny, c'est un phare. Non, ça, c'est la partie... j'explique que Johnny, c'est ce qui est fascinant chez Johnny, c'est que ce type-là, je vous disais, on lui a fait chanter des conneries. Si vous repensez au twist, au match potatoes, à toutes ces choses-là, on lui a fait danser des conneries. On lui a fait... on l'a fait habiter à Gstaad entre, je dis, des demi-putes ukrainiennes et des bijoutiers libanais. On lui a tout fait faire. On s'est foutu de sa gueule sans arrêt, etc. Et il est toujours debout. Et il a marqué ce demi-siècle. Il est là comme quelqu'un de notre famille. Il est là à chaque fois. Au départ, c'était uniquement un livre d'amour, je vous l'ai dit.
Johnny, marqué par ses, oui, limité par ses deux chansons. Qui aime bien, châtie bien, évidemment. Non, pas de Johnny, vraiment. Oh, ça, c'est écoute, pas lui, c'est ce qu'on lui a fait faire. Oui, c'est bien, c'est mais enfin, attendez, c'est un garçon intelligent, il fait aussi de temps en temps ce qu'il a envie de faire. Ça, je sais pas. Ce qui est extraordinaire avec Johnny, c'est que, quand j'ai écrit cette chanson, je l'ai rencontré au Palais des Sports. C'était évidemment très, très émouvant d'entendre le public chanter la chanson et tout ça. Et j'ai pas eu envie. Il m'a proposé d'aller dîner. Il a un restaurant rue Balzac, Chabot, après. J'ai pas eu envie parce que j'ai pas envie de devenir l'ami de Johnny. Je serais forcément déçu. Ah ouais. Parce que le meilleur non de mais Johnny. Là, après la lecture du livre, je vous rassure, vous serez pas son ami, hein. Ben, je suis pas. S'il est intelligent, non. Ah, je sais pas. Il est entouré de gens qui vont lui raconter un tas de je trucs. Pense. Et on continue avec vos grosses têtes sur RTL avec Amanda Lear, Jean Amadou, Bernard Mabille, Carlos, Jacques Maillot et Philippe Bouvard a également invité Guy Carlier pour nous parler de son livre « Quelque chose de Johnny ». Première citation envoyée par M. Latré qui a dit « La mort, c'est la noblesse du con ». Frédéric Dard ? C'est Frédéric Dard. Ah. Bonne réponse de Bernard Mabille. Alors, nous n'arrêtons pas de le citer, vous savez. Mais vous savez, ce qui est frappant avec Frédéric Dard, c'est que ça m'avait mis en colère à l'époque de sa mort en 2000. Je ne connaissais pas sa fille. Et évidemment, j'étais un fan absolu. Et tous ces gens tous ces académiciens, tous ces auteurs, disons, officiels et académiques, qui pendant toute sa vie l'ont méprisé, rendaient un hommage, etc. Et non, j'imagine que pour Johnny, beaucoup l'ont admiré et on lui a proposé une élection de maréchal à l'Académie qu'il a refusé. Oui, je parle pas. J'ai eu tort de dire l'Académie française. Je parlais de littérature académique. Vous voyez ce que je veux dire. Je parle du train du livre, de Brive. Enfin, vous voyez de ces choses là, quoi. Deuxième citation envoyée par M. Moza qui a dit « Si il n'y avait pas eu les femmes, on en serait encore dans des grottes à manger de la viande crue. La civilisation a été inventée pour impressionner nos petites amies. » Et ça, c'est quelqu'un qui n'est pas de chez nous et que nous n'avons jamais cité. Anglais ? Américain. Américain. Auteur américain. Alors, acteur, il avait fait beaucoup de choses. Il est mort, donc. Il est mort. Groucho Marx ? Non. C'était pas un comique. C'était pas un comique. Film d'action, plutôt ? Alors, c'était pas le genre western, mais enfin, dans ses films, il se passait beaucoup de choses. Il était d'ailleurs à la fois comédien et réalisateur. Ford. John Huston ? Non. Errol Flynn ? Attaway ? Non. Quelqu'un qui a tenu beaucoup de place dans son époque. C'est pas Hitchcock qui apparaissait à la fin. Comment ? Orson Welles. Bonne réponse de Guy Carlier. Je me suis senti concerné par le beaucoup de place. Non, c'était pas méchant. Pourquoi avez-vous rompu avec votre grenouille en peluche ? Mais c'est vrai, mais comment savez-vous ça ? Mais parce que vous savez, la police est bien faite en France. Mais ma grenouille en peluche, c'était votre gris-gris ? Un gris-gris. Oui. Les précédentes fois, quand nous nous sommes rencontrés, il y avait sa tête qui dépassait de votre poche, et ça m'avait intrigué, parce que c'est rare. Je vais vous dire ce que j'ai fait de cette grenouille en peluche. C'est un scoop, enfin, on s'en fout un peu. Vous l'avez donné à votre bébé ? Non, pas du tout. Je l'ai donné à Jean-Luc Delarue, qui est un peu mon bébé, si vous voulez, mais enfin, je l'ai donné à Jean-Luc Delarue par hasard. Pour le calmer. Sûrement, ça a dû le calmer. On s'est retrouvés au début d'une émission, mais vraiment par hasard. Il avait le trac et j'ai dit tiens voilà un porte-bonheur et il l'a gardé donc s'il m'entend j'aimerais bien qu'il me rende ma grenouille. Ah oui, dites donc, et moi mon peigne. Là, elles sont avec vous jusqu'à 18h sur RTL. Les grosses têtes de Philippe Bouvard en compagnie d'Amanda Lear, Jean Amadou, Bernard Mabille, Carlos, Jacques Maillot et l'invité d'honneur aujourd'hui, Guy Carlier. Alors voici que paraît le premier précis de sexe écolo. C'est pour faire ça dans la nature ? Alors non. Alors c'est d'abord de faire l'amour en éteignant la lumière.
Ah bah oui, on peut toujours économiser. Souvent ça arrange. Ça arrange quelquefois, oui. Il y a des choses qu'on ne veut pas avoir. Des fois, oui, ça arrange. Ensuite, de n'acheter que des vibromasseurs se rechargeant à l'énergie solaire. Ah mais il faut du temps. Mais alors si vous êtes dans le noir, vous êtes mal. Ah oui. Donc il y a un comportement sexuel écologiste. Ah oui, bien. Mais on vient quand même d'apprendre qu'il y a des vibromasseurs qui se rechargent à l'énergie solaire. Moi, je ne le savais pas, peut-être mes camarades et des, moi. Des préservatifs recyclés. Le préservatif José Bové qui qu'on met sur le maïs. Ah oui, le préservatif, c'est vrai, on en jette, ça, tout ça, c'est du plastique qui s'en va dans la nature, tout ça. Ah oui, c'est pas bien, c'est comme une pipette. Combien de temps ça dure un préservatif qu'on jette ? 400 ans. Sans blague. Ah oui, comme les sacs de... Dites donc, vous vous rendez compte, la dame, elle est vieille, hein. Moi, j'ai encore mon premier dans le frigo. Moi, tu le rinces. Alors, il y a un article que j'ai pensé devoir vous intéresser. Ce sont tous les mythes médicaux qui sont devenus autant d'idées reçues, tenaces, que nous colportons. Par exemple, que nous n'utiliserions que 10% de nos capacités cérébrales. Oui. C'est pas vrai. Il y en a qui en utilisent moins. Hein. 2% ça me va très bien. On va pas donner de nom, mais il y en a qui en utilisent moins. Ah oui, surtout à la télé. Pas du tout. Il paraît qu'aucune zone du cerveau n'est entièrement inactive. Ah, voilà. On a mis des capteurs et selon ce qu'on fait, selon ce qu'on pense, toutes les zones sont activées. Ouais. Ensuite, on dit toujours que les ongles et les cheveux poussent après la mort. Oui, ça c'est. Eh ben, pas c'est pas vrai. Ah bon? C'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Il y a des cheveux qui tombent pendant la vie. Oui, ça oui. Ensuite, que si on lit avec une lumière trop faible, on se fatigue les yeux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais il y a plein de choses comme ça. C'est donc on a quoi, tout faux, quoi. C'est dans quel dictionnaire? Vous vous rendez compte que tout ce qu'on raconte aux enfants, hein. Oh, oui. Là. Et que la masturbation rend sourd aussi, c'est vrai. Pardon? Comment? Qu'est-ce que tu dis? Non, alors ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été élucidé. Mais hein. Absolument. Si, si, vraisemblablement, ouais, c'est... Moi, je l'ai su très tôt, c'est une information que j'ai su de première main. Oui. Et après, le bouche à oreille, bien entendu. Après, le bouche à oreille. Mais en fait, je crois que ce sont les parents ou les éducateurs. Oui, les éducateurs, c'est... Bien sûr. Qui a osé dire ça pour... Pour faire peur. Les éducateurs religieux qui avaient surnommé cette pratique 5 contre 1, vous vous souvenez? Oui. Absolument, et oui, 5 contre 5 1. 5 contre 1, c'est assez joli. J'ai regardé le pape qui avait pris l'habitude, à la fin Jean-Paul II. Arrête. Il avait Louis Fine, hein, il n'était pas sourd du tout. Vous vous souvenez que nous avons reçu ici un chimiste du CNRS qui, avec Pierre Gagnère, a lancé la cuisine moléculaire. Ah oui, très bien. Tis, oui. Hervé Tisse, oui. Et il dit que bientôt, dans tous les supermarchés, on trouvera de l'azote liquide. Ah bah oui, c'est indispensable. C'est réjouissant, ça, hein. Ça, pour se faire une mayonnaise, c'est indispensable. Ah bah oui. Ça, on attend ça avec impatience, hein. Ça se passe à Berlin. Il y a une grande comédie musicale. Et tous les soirs, au moment où le spectacle atteint son paroxysme, les machinistes envoient des fumigènes. Et là, ils ont envoyé des grenades lacrymogènes. Ah oui, c'était des CRS. Alors, tout le monde s'est mis à pleurer, tout le monde est sorti de la salle. Et c'était une représentation de ça vous dira peut-être quelque chose, car il y a eu un livre et un film qui ont eu un grand succès, Émile et les détectives. Ah oui, bien sûr. Vous vous souvenez de ça? Pas de pronostic, là c'est du sûr. Les grosses têtes sont avec vous sur RTL jusqu'à 18h avec Philippe Bouvard et Amanda Lear, Jean Amadou, Bernard Mabille, Carlos, Jacques Maillot et l'invité d'honneur Guy Carlier pour son livre Quelque chose de Johnny. Bon, enfin vous savez quand même, si vous avez écrit une chanson pour Johnny, c'est pas la légende des siècles, hein. Non, c'est du Nietzsche. Ça s'appelle « Ce qui ne tue pas nous rend plus forts ». Donc j'étais heureux de lui faire chanter une citation de Nietzsche. Alors je reviens à l'environnement funéraire de Johnny. Tout le monde est là. Les amis, ça fait quelques personnes. Mais tous les autres, et ça en fait encore plus. Hein, parce que chacun se montre ce jour-là dans le sillage de la célébrité disparue.
Il y a PPDA, naturellement. Oui. Bah, PPDA, lui, si vous voulez, le soir de la mort de Johnny, il y a forcément des émissions spéciales partout. Donc sur France 2, avec Drucker, qui s'est habillé rock'n'roll pour l'occasion. C'est-à-dire qu'il a noué le cachemire autour des épaules, parce que pour lui, c'est vraiment le comble du rock'n'roll. Et donc, et qui reçoit Barbelivien. Alors, parce qu'il faut savoir que Barbelivien, jusqu'à l'avènement de Nicolas Sarkozy, était considéré comme un ringard déplumé, vous voyez. Mais depuis que Sarkozy est là, que c'est son copain, donc Drucker l'invite, évidemment. Barbelivien qui a dû créer une ou deux chansons pour Johnny, mais qui, évidemment, est là comme... Enfin, dites, il en a écrit 800. Il en a écrit d'autres. Non, mais en plus, c'est quelqu'un d'attachant. Vous venez pas à sa cheville. Ah non, hein. Non, je suis d'accord. Il a écrit « J'ai oublié de vivre hein, ». Oui, c'est ça. Et sur TF1, je l'ai dit, donc cette spéciale de Nikos. Donc voilà. Et PPDA, lui, est en direct, en duplex, pardon, à Marne-la-Coquette, et il reçoit les célébrités qui viennent se recueillir donc devant le corps de la dépouille. Oui, alors vous dites d'ailleurs que son élocution qui est parfois onctueuse, et le mot n'est pas choisi au hasard, il me semble d'ailleurs tout à fait approprié, est un signe de flagornerie chez lui. Oui, de flagornerie quand il s'agit d'un homme politique, oui. Ou de tentative de séduction lorsqu'il s'agit d'une actrice. Ah oui, oui, oui. Mais il y a effectivement cette onctuosité façon bonbon sucé, vous voyez, comme ça, voilà. Alors il y a Nicolas Sarkozy qui est aux obsèques. Alors, Nicolas Sarkozy arrive donc aux obsèques, il descend de voiture et on voit deux Santiago se poser par terre, évidemment, c'est son hommage au rock'n'roll. Il est en costume, mais il a mis deux Santiago. Oui, évidemment. Il est seul ou il y a une dame avec lui ? Non, au moment où j'ai écrit au moment où j'ai écrit le livre, il y avait encore Cécilia. Mais ils ont, alors c'est la prémonition, c'était, ils ont une violente scène dans la voiture avant de descendre. Donc la voiture reste les portes fermées quelque temps avec donc Jean-Claude Camus qui reçoit les invités qui courent tout autour de la voiture. Ne sachant quelle porte va s'ouvrir, parce qu'ils sont en train de s'engueuler dans la voiture. Ah oui, 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 Seb, c'est bien vu tout ça. Est-ce qu'il est charitable d'écrire à propos des condoléances de Mireille Mathieu, maman Perséba ? Non, parce que Michel Drucker reconstitue le plateau, justement, il n'y a pas seulement Didier Barbelivien, il reconstitue le plateau de la Concorde le soir de l'élection de Sarkozy, évidemment. Donc il fait venir Mireille Mathieu, Jean Manson, etc. Et j'ai revu, il y a quelque temps, une émission que Carlos doit connaître, ça devait être un numéro 1, enfin une émission des Carpentiers, où Mireille Mathieu en cuir chantait Bibop Lula. Mais Bibop Lula chanté par Mireille Mathieu, c'est avec l'accent d'Avignon, en roulant les airs et façon Castafiore. Voilà. Et donc j'imagine son hommage à Johnny, c'est de rechanter Bibop Lula. Faire des déclarations. Ah oui, parce que elle est émue parce que Johnny est parti retrouver tonton Johnny Stark. Et alors, elle Perséba, parce qu'elle commence à les imaginer tous les deux picoler du whisky et tout. Alors, évidemment, Drucker lui dit oui, mais non, attendez. Enfin, mais si, je les imagine, ils jouent au poker, ils picolent, au paradis, quoi, vous voyez. Donc, voilà. Maman Perséba, bah oui, pourquoi pas. Hein. Alors, il y a aussi parmi les survivants Fabrice Luchini. Oui, alors Fabrice Luchini, évidemment, il a joué ce film avec Johnny, qui s'appelle Jean-Philippe, et chaque apparition de Luchini sur un plateau de télévision devient un moment de télévision, parce que voilà, il fait sa promo lui-même, il fait un numéro à chaque fois. Et donc, j'imagine, là, il vient au journal de la nuit. De la télé. Évidemment, Johnny est mort dans la soirée. Donc il est mort de quoi, Johnny? Ça n'est pas intéressant, donc je n'évoque pas ça. Non. L'essentiel, c'est qu'il soit mort. Bien sûr, l'essentiel, c'est la mort. Et Luchini arrive, et déjà, il est un peu vexé d'être au journal de la nuit. Et moi, je l'ai vu dans des émissions, il décide dans quel état il va être dans l'émission, s'il va être extraverti, s'il va être... Tout est prémédité. C'est terrible. Oui. C'est terrible. Oui. Et là, il a décidé de faire le plus grand blanc de l'histoire de la télévision. C'est-à-dire le plus grand silence. Le plus grand silence. Donc, le journaliste lui dit, alors, Fabrice Luchini, vous connaissiez bien Johnny Hallyday, vous avez tourné avec lui, Jean-Philippe, et Luchini fait un truc qu'il nous a fait un jour dans une émission de télé, il penche la tête, c'est comme un petit oiseau tombé du nid, comme ça, du nid, pardon, et
silence. Et donc j'égrène 45 secondes, une minute, enfin ce qui se passe. Il arrive à combien? Il arrive à 4 minutes 30, parce que le journaliste envoie le générique. À la fin, il dit bien écoutez, Fabrice Lucchini, nous avons été bouleversés. Il a fait des tentatives avant, sans succès. Et là, à la fin, l'autre envoie le générique. Il dit bien écoutez, Fabrice Lucchini, nous avons été bouleversés par ce témoignage émouvant, etc. Il s'adresse à la caméra, nous nous retrouvons demain soir, passez une bonne nuit, etc. Et là, Lucchini, non! Il saute sur la table, il lui dit non, le soir de la mort de Johnny, on ne va pas se coucher, on ne se lave pas les dents, etc. Et il fait un numéro lucchinesque. Donc j'ai mis beaucoup de temps à écrire ces deux pages parce que il fallait trouver le ton et que chaque mot. Vous êtes comme moi, le silence, vous connaissez pas bien. Non, pas bien. Oui. Est-ce que vous achèteriez en souvenir, si on la vend, un morceau de la moquette de l'escalier de l'église? Parce que vous prétendez, on avait vendu des morceaux, je crois, du vrai lit de Johnny. Oui, mais moi, plein de choses. Cette histoire de la moquette, du tapis rouge de l'église où se déroulent les obsèques, m'est venue parce que quand le pape était venu à Paris dans les années 80, j'avais un copain qui était allé et qui avait découpé le truc et qui vendait des morceaux de moquette sur lequel était passé, avait marché le pape, et ça avait bien marché. Et donc j'imagine que des types un peu astucieux vont faire la même chose avec la moquette sur laquelle on peut faire confiance aux commerçants. Ouais, hein, ouais. On peut faire confiance. Pourquoi parlez-vous si peu de la veuve et de la belle-famille? Parce que ce ne sont pas... si vous voulez mon avis personnel sur Laetitia, je trouve que cette femme-là est touchante. Je pense que sa relation, je l'ai vue, moi, avec Johnny et tout, c'est... Je pense que cette femme-là l'aime sincèrement. Ça l'empêche pas que si vous tuez son mari, elle est veuve. Voilà. Bon, je parle des réactions des médias, des journaux, notamment des journaux People par rapport à elle. Moi, j'aimerais que la famille soit derrière, qu'on voit beau-père en train de faire la quête, par exemple. Oui, c'est vrai, j'aurais pu, mais j'avais déjà suffisamment. Quand j'ai trouvé cette idée de la mort de Johnny, c'était comme si j'avais trouvé du pétrole. Ça, les idées, évidemment, arrivaient. Ça a jailli, bien sûr. Oui, et puis ça rapporte. Non, non, mais il aurait pu, le beau-père, organiser une grande soirée dans une boîte de nuit. Mais je pense que les réactions, les activités du beau-père nécessiteraient un tome 2, vous avez raison. Il y avait une petite lacune. Je l'ai ressenti, parce que moi aussi, j'ai une âme de midi. Ceci dit, il intervient dans la dernière séquence à l'enterrement du Père Lachaise, puisqu'il envoie des hommes de main voir Attali qui dérape un peu. Il contrôle il est toujours là. Et c'est la suite des grosses têtes sur RTL. Ça, c'est la villa de Barbie. Vous savez qu'on vend pour les petites filles. Ah, pas la villa d'accord. Oui. Les petites filles qui ont une collection de poupées Barbie. Oh, bah oui. On leur vend des chapeaux, on leur vend des vêtements, des accessoires. Et maintenant, on leur propose la maison où peut habiter Barbie. Oh. Alors, c'est très, très mignon. À un moment, il y a le jacuzzi, il y a tout ça. Alors, il y a un grand dressing, il y a une salle de gym. Il y a les toilettes avec le bruit de la chasse d'eau. Ah oui. Elle est plus avec Ken. Ouais. Et il y a les toilettes de José Beau avec de l'assure. C'est très joli pour la Barbie. Le fiancé de Barbie, c'est plus le même. La plus chère poupée Barbie, c'est la poupée divorcée. Parce qu'elle vient avec la voiture de Ken, le pognon de Ken, la maison de Ken. Elle va très chère, celle-là. Alors, c'est un petit 9 pièces visible à la Cité de l'Architecture à Paris. Et qui est très beau, très design. Ah, mais c'est grandeur nature? Non, c'est pas grandeur nature. Ah, mais si. C'est grandeur. Enfin, grandeur nature à l'échelle de Barbie. À l'échelle de la poupée. C'est joué, alors. Voilà. Ça, c'est la première statue de Zorro qui a été inaugurée au Mexique. Oh, avec un petit loup. Oui. Ça doit être chouette, ça. Par Banderas. Au moment où le cher Henri Salvador prend sa retraite. Mais c'est bien parce que à Los Angeles, le deuxième aéroport de Los Angeles, s'appelle le John Wayne Airport, qui est très très grand, c'est Orly Sud, hein, et dans le hall, il y a une statue de John Wayne de 5 mètres de haut. Il a la main comme ça, il va dégainer et c'est formidable. Moi, j'attends qu'il y ait un aéroport à Paris, l'aéroport de Pardieu. Ce serait pas formidable d'avoir un aéroport de Pardieu. Ah, ça serait pas mal. Vous prenez votre avion quand je vais à Christian Clavier à 2h15. Non, ce serait bien. Ah oui. Ça, c'est à New York d'ailleurs. C'est une coutume
que nous regrettons de ne pas voir utilisées en France. C'est des poubelles spéciales qui sont, au moment des fêtes, installées dans toutes les rues pour qu'on puisse jeter les pires souvenirs de l'année qui s'achève. Ah, c'est pas idiot, bah, c'est ça. C'est pas vente aux enchères. Hein, ah oui, c'est sur pas Internet. Mal, ça. Moi, c'est la cave, c'est horrible. Et tout ce qu'on a trop mangé aussi, peut-être on peut peut-être... Alors, c'est souvent des souvenirs d'une liaison qui n'a pas été très heureuse. Ah, c'est pas la dame ou le monsieur dans la Non, mais non. Ce qu'elle a laissé, c'est-à-dire des photos, ouais. Quelquefois des cadeaux qu'on casse. En Italie, on jette tout par la fenêtre le soir du réveillon. Ah, c'est bien. Ah bon? Tous les trucs que tu veux plus pour commencer l'année nouvelle. Ta femme. Ils sont très superstitieux, les Italiens. Ah, c'est fou, ça. Dès c'est que Sarko passe par la fenêtre, balancé par Carla, il n'y a pas loin. Oh, écoutez, vous avez vu comme ils sont mignons, tous les deux. Très mignons. Hein, c'est touchant, comme tout. Avec leurs petites lunettes de soleil, là. Elle a, oui, bon, on l'a reconnu quand même. Ah, quand même, hein. Ouais. Oh, mais ils sont mimés avec leurs petits trucs. Mais là, ça fait en plus très très jeune couple, hein, quand bras dessus, bras dessus. Il est vraiment allé chercher le loup, là. Il en a eu deux paires pour le prix d'une, là. Hein. Alors, vous savez. Lundi, pour le prochain enregistrement des Grosses Têtes, il n'y aura que des Philippe autour de Philippe Bouvard. Il y aura Philippe Tretiak et Philippe Candeloro pour le prochain enregistrement des Grosses Têtes à 10h. Alors, vous savez que nous sommes écoutés sur toute la planète. Bon, évidemment, notre modestie souffre de devoir le rappeler tous les jours, mais bon, c'est comme ça, il faut l'accepter. Et chaque jour, nous entrons en communication avec un auditeur du bout du monde. Allô, monsieur Minet ? Oui, monsieur Bouvard, bonjour. Bonjour. C'est gentil de s'appeler Minet comme ça, hein ? Tout à fait, oui. Oh, oui. C'est quelque chose d'assez réjouissant. Ça a dû être plus difficile à porter en France qu'en Floride, où vous êtes. Oui. C'est plutôt Mainet, hier. On dit Naples ou Naples? Naples. Ah oui. C'est en Floride, oui. Est-ce que Naples, c'est en Italie, non? Pourquoi êtes-vous allé vous installer en Floride, monsieur Minet? C'était pas tout à fait voulu, mais quand j'ai découvert l'endroit, c'était quand même un peu le paradis ici. Donc j'ai dit qu'il n'y avait pas de raison de retourner dans la grisaille. Parce que des restaurants, puisque vous travaillez dans les restaurants, il y en a pas mal en France aussi. Ah ben, j'ai fait ma part, j'ai travaillé presque une vingtaine d'années à Paris et en France, donc... C'est plus cool là-bas, la restauration ? C'est beaucoup plus cool, oui, beaucoup plus cool. Il y a moins de cyclones quand même, hein, chez nous. Hein. Oui, mais il n'y en a pas eu depuis 2 ans, on en a eu un il y a 2 ans, mais autrement ça va quand même. Mais vous ne servez pas de tout à fait les mêmes nourritures, hein ? Je travaille dans un restaurant français, c'est un petit peu similaire. Ah oui, ouais. Une belle carte française ou bien c'est un menu français pour les Américains ? Non, une belle carte française. On fait des cuisses de grenouille, des riz de veau. Vous seriez surpris de savoir que les Américains, quand même, s'y mettent pas mal et mangent. Et même plus d'abats qu'on mange en France. Et vos escargots, vous les faites venir d'où ? Non, allez savoir. Bon, ils arrivent en boîte comme la plupart des restaurants français. On se doute bien qu'ils n'arrivent pas par leurs propres moyens. Hein. Non, la plupart, même s'ils n'aiment pas tellement attendre les Américains, ça sera un petit peu trop long. Ouais. Dites donc, dans votre réveillon, est-ce qu'il arrive que certains clients commandent des riz de veau et les arrosent avec du Coca-Cola ? Non. Ah ben. Non, c'est très surfait cette image, mais ils boivent des très bons vins et beaucoup de vins français. Et il y a eu un petit moment où on a été un petit peu. Depuis quand écoutez-vous les Grosses Têtes, monsieur Minet ? Eh bien, écoutez, je les ai toujours écoutés parce que j'écoute la radio depuis que j'ai 15 ans et comme j'en ai 51. J'ai commencé avec Fabrice et je vous ai pris en marche dès que vous avez commencé à exister et depuis, je vous ai toujours écouté. Ah, ben dites donc, alors, nous sommes de vieilles connaissances, hein. Nous sommes de très. de vraies connaissances, quoi. Pas de vieilles, de vraies connaissances, absolument. Et là-bas, alors, vous nous écoutez à des heures qui ne sont pas exactement les mêmes, hein. Non, en principe, quand je me réveille, parce que je finis tard, vers 10h, 10h30, donc ça fait à peu près en direct. Autrement, si je me lève un peu plus tard,
eh ben, je vous écoute en différé. Vous connaissez l'histoire, il y a trois gars qui arrivent dans le restaurant, il est tard, il est 11h du soir, il regarde le patron qui est lui, très chic, avec sa coiffe, son nom en bleu, blanc, rouge ici. Il dit, patron, on peut dîner Oui, allez-y, il met trois assiettes. Et il y a un gars qui sent une assiette. Il dit, excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a avec mon assiette? Non, mais je peux vous dire ce qu'il y a eu dans les trois assiettes, parce que je suis né, je travaille à Grasse, je suis français, je peux... Écoutez, mes assiettes, vous pouvez sûrement pas dire ce qu'il y a dedans, parce que j'ai acheté une machine à laver à New York, $1 million, et j'ai une vieille plongeuse depuis 30 ans qui est là... vous pouvez pas... Écoutez, si vous scrutez ce qu'il y a dans les trois assiettes, vous bouffez à l'œil et vous mangez à l'œil et vous buvez à l'œil. Très bien. Riz de veau à l'ancienne, cuisse de grenouille, mignon de veau. Il dit bravo, bravo. Alors vous bouffez à l'œil. Non, mais on plaisantait, pas du tout. Bouffez à l'œil. Bon, ils gênent pas les types. C'est la tour, cassoulet, la beurre d'olive, allons-y. Youpi, et merci beaucoup, mais on vous doit rien du tout. Je vous ai dit, oh, bah merci. Lendemain, midi, ils sont là, tous les trois gars. Ça marche encore votre histoire d'assiette Oui, asseyez-vous. Il va dans la cuisine, il prend une assiette, il y a la grosse plongeuse qui est là en train de faire son boulot. Et il dit, François, s'il vous plaît. Oui, patron. Pouvez-vous frotter cette assiette contre le cul, s'il vous plaît? Il dit, ça va pas, patron. S'il vous plaît, je suis dans la merde. Faut... Bon, elle soulève sa grosse jupe en laine. Elle frotte l'assiette sur le cul, il dit, voilà, patron. Et il l'amène devant le mec, il dit, voilà, si vous trouvez ce qu'il y a eu dans les trois assiettes, vous mangez à l'œil. Le mec, il sent l'assiette, et le patron est là, alors? Donc il fait, Françoise travaille chez vous? Voilà, monsieur Minet, vous aurez eu droit à une histoire parfaitement en situation et qui nous est chère parce qu'on ne l'a pas entendue depuis au moins 15 jours. Absolument. Je me disais que ça valait la peine. Merci, monsieur Minet. Vous venez bientôt en France, non? Oh, peut-être un petit peu en été, oui. Essayez de venir à la Miaou. Oui. Oui. Merci, monsieur Bouvard. L'invité d'honneur des grosses têtes de Philippe Bouvard, Guy Carlier. Qui appelez-vous, Guy Carlier, les pleureuses de la République? Ah, les pleureuses de la République sont ces personnages qu'on voit à chaque mort. On parlait de Coluche, à la mort de Mitterrand, etc. Généralement, il y a Séguéla, Georges-Marc Ménamo, enfin des gens qui viennent comme ça dans des débats pas chers, vous voyez, il y a une table et puis ils viennent raconter la dernière fois que j'ai déjeuné avec le président, il m'a confié ceci, cela. Et en fait, ces gens-là ne viennent évidemment faire que leur propre promotion. Voilà, c'est toujours les mêmes. Il y en a 4-5 comme ça. Je me souviens quand Mitterrand est mort, il y avait notamment Yves Simon et Georges-Marc Benamou, et donc ils se battaient pour raconter des petits déjeuners. À la fin, Mitterrand avait dû déjeuner 15 fois par jour, ça n'a pas dû arranger son état tellement il y avait deux types qui avaient déjeuné avec lui. Et alors à un moment, Yves Simon commence à raconter un jour que je prenais le petit déjeuner avec le président Mitterrand, et il commence à raconter, et Georges-Marc Benamou donne la chute de l'anecdote, et Yves Simon devient tout rouge, quasiment hystérique, et dit « Laissez-moi, c'est mon anecdote !» C'est incroyable, ils ont failli s'étriper, c'était voilà, c'est ça, les pleureuses de la République. Non. Quand Giscard va mourir, ça sera les éboueurs qui viendront. Ah oui. Ça va être formidable. Ah, c'était un bon moment, ça. C'était formidable. Vous en étiez donné à cœur joie, vous, ça, à ce moment-là. C'était un bonheur. Hein, ça, c'est les éboueurs. Ah, oui. Et puis les dîners chez les Français aussi. Oui. Bonjour, madame. Vous avez fait une blanquette. Anémone, vous en mangez une blanquette. C'était gay, il s'est marré dans sa vie. En plus, alors, on n'a jamais dit s'ils apportaient quelque chose, s'ils prenaient en charge les frais du dîner. Rien du tout. C'est la dame qui cuisinait. Je pense qu'ils étaient vraiment invités. Très avare, Giscard. Et de quoi il parlait? Ça, j'aurais aimé. De lui. Une petite souris, là. Vous savez que Jean-Pierre Fourcade racontait qu'à chaque fois qu'ils allaient inaugurer un nouveau tronçon d'autoroute tous les deux, ils arrivaient au péage, bien sûr, et Giscard lui disait, monsieur Fourcade, vous avez de la bonnet? Et c'est Fourcade qui payait à chaque fois. C'est étonnant. Et quand il rentrait chez un boucher? Vous vendez de la viande. Elle a du beefsteak, de la viande. Elle a charcuterie, vous vendez de la charcuterie. Mais c'est ça d'être un homme d'État, c'est d'avoir le mot qu'il faut pour chacun. Pile poil. Oui. On a vu le truc de Chirac qui disait c'est beau, mais c'est loin, à 30 personnes. Chirac en convainc, c'est beau, mais c'est loin. Giscard, son truc, c'est vous êtes venu comment?
Oui. Alors, mais il paraît que la reine d'Angleterre, à en croire Stéphane Bern, c'est la question qu'elle pose aussi. Elle est la seule, d'ailleurs. Ah, ouais. Et elle n'écoute pas la réponse, elle. Ah, ouais. Ah, je vais faire entendre à notre invité d'honneur, à Guy Carlier, donc, le récit de Jean-Marie Perrier, de sa première rencontre avec Johnny Hallyday, un récit qu'il avait fait ici même. C'est-à-dire que je ne connaissais pas du tout et j'avais Daniel Philippaki m'avait pris un rendez-vous avec lui. Il habitait avenue Paul Doumer. C'est en été, j'arrive dans un appartement très grand. Tout était très sombre. Il y a un type qui me pousse dans une chambre et je me retrouve seul dans une chambre dans le noir avec au milieu Johnny en train de dormir. Bon, c'est quand même assez étrange quand vous ne connaissez pas quelqu'un, mais qui était là en train de dormir. Moi, j'étais gêné affreusement. Je ne savais pas où me mettre. J'attends. Et tout à coup, il se réveille. Il se tourne vers moi, il s'assoit, il prend une cigarette, il me fait « t'aurais pas du feu là ?» Comme si je le connaissais depuis toujours. C'est vrai, ça lui ressemble d'ailleurs. Il est à l'aise avec tout le monde. Alors, je reprends le détail des obsèques, puisque vous entrez dans le détail, on serait impardonnable de ne pas vous suivre. D'abord, le convoi funèbre s'arrête devant le golfe Drouot. Oui, le convoi part de la levée du corps a lieu à la Trinité, puis le convoi, il y a des stations. Pourquoi à la Trinité, puisque c'est pas là qu'aura lieu les obsèques ont lieu à la Madeleine, mais la levée du corps a lieu à la Trinité parce que c'est le début de Johnny, il vient de ce qu'on appelait la bande de la Trinité. Et donc Camus a pensé que c'était symbolique, et puis en plus ça fait un itinéraire qui passe par le golfe Drouot, l'Olympia et la Madeleine. Ah, oui. Donc effectivement, le premier arrêt, c'est le golfe Drouot, où il a eu l'idée de réunir cette tournée des yéyés, vous savez, la tournée et tête de bois. Et donc, évidemment, il y a en attendant le convoi, il y a eu un spectacle et il y a des problèmes d'égo. Et notamment, et ça m'est venu en voyant chez Michel Drucker, ces gens qui, évidemment, sont passés dans l'oubli et reviennent tout à coup, profitant de la vague nostalgique. Et alors, il y avait un garçon qui s'appelle Michel Orso, qui chantait Angélique. Et donc, Michel Orso est tombé vraiment dans un purgatoire terrible pendant 30 ans. Et je l'ai vu l'autre jour, Drucker a fait une émission tout un dimanche sur ces gens-là. Il est revenu. Et le type revit, c'est-à-dire que vous sentez, évidemment, il a plus l'âge de chanter Angélique, mais il chante toujours Angélique, et il se prend tout à coup pour Mick Jagger, il enlève sa veste, évidemment, ça coule sous les bras, enfin, c'est terrible, il y a le synthétique sur les cheveux et tout, et le type envoie sa veste, personne la ramasse, enfin voilà. Et donc, ça m'a donné l'idée d'un conflit d'égo entre lui et Demis Roussos, qui participe également à la tournée. Demis Roussos, je le connais un peu, parce que j'ai créé un album pour lui, et c'est quelqu'un qui est très sensible à ça. Et ils sont au golfe Drouot et les deux voulaient terminer, être la vedette quoi, du show. Ouais. Donc ça donne lieu à une scène que je décris. Alors naturellement, au passage, toutes les vieilles gloires sont citées. Dick Rivers. Mm-hmm. Dit qu'il conserve une banane impeccable. Oui, parce que il y a beaucoup de vent ce jour-là, oui. Ils attendent le convoi. Sa banane est impeccable sous les embruns. Vous ajoutez, on dira ce qu'on voudra, mais l'acrylique, ça bouge pas. Après, il y a François de Gueldre qui chante « Il y a le ciel, le déambulateur et la mer ». Oh, que des amis, hein. Ouais. Michel Thor, à qui on a envie de répondre non merci quand elle chante dans mes bras, oublie ta peine. Dites donc, mais alors, oh, écoutez, c'est des gens qui sont estimables, qui sont courageux. Ça m'a fait de la peine pour eux. Ça n'a aucun sens. Oui, ça vous a marqué, ça se voit. Et on retrouve les grosses têtes, Philippe Bouvard et Guy Carlier. Ensuite, alors, il y a le convoi lui-même. Alors, le convoi lui-même avec une description extrêmement détaillée. Alors, des jeunes filles qui sont vêtues comme téléphones mobiles. J'ai imaginé toutes les marques qui sponsorisent. Donc, il y a Nokia. Oui. Et alors, Nokia a décidé. On peut même répéter Nokia, peut-être qu'ils nous entendront. Voilà, monsieur Nokia ou monsieur Motorola, à ce moment-là, s'il est plus généreux. Mais donc là, Nokia a décidé d'envoyer des filles, donc vous imaginez, devant le convoi funèbre. Oui. Hein, donc, des filles en string et en téléphone portable, avec une coque de téléphone portable.
vêtues de, donc chaque modèle de la gamme, vous voyez, elles sont là et elles dansent comme ça. Et ensuite il y a le Crédit Agricole qui distribue les grandes mains vertes. C'est vous autour de France, ils ont pas eu le temps de préparer quelque chose pour les obsèques, donc ils ont un stock de grandes mains vertes. Et donc sur le convoi, sur le parcours du convoi funèbre, après, pendant que passe le cercueil, vous avez toutes ces mains vertes du Crédit Agricole qui s'agitent comme non, il y a Universal aussi qui se venge, parce que Johnny a fait un procès à sa maison de disques, et donc Universal se venge en lançant des CD d'autres artistes et en balançant une sono tonitruante, évidemment. Bon, lancer des décédés à un enterrement, ça va. Ouais. Vous dites que sur un plateau de camion, il y a ceux que vous appelez les deux crétins du 118-218. Ah oui, alors donc, il y a évidemment les deux gars qui sont là avec le tout YouTube de Véronique et d'Alain. Oui, il manquerait, ceux-là. C'est très gai, finalement. Oui. C'est, alors naturellement, il y a une grande affluence populaire. Bien sûr. Oui. Il y a une foule, et évidemment, la foule est de plus en plus dense. Et arrivé à la fin du parcours, c'est-à-dire à la Madeleine, où ont lieu les obsèques réellement, là, tout s'arrête, il n'y a que le convoi qui peut passer, donc le loup bouffe le perroquet, le loup de petit bouffe le perroquet d'Atoll, enfin voilà. Et qui dit la messe, qui officie? Le père Lamorandais, évidemment. Le père Lamorandais, c'est quelqu'un qui m'avait un peu choqué aux obsèques de Michel Serrault, je ne sais pas si vous avez vu. Il est people, on peut se moquer de ça comme ça, mais là réellement, c'était les derniers mots de mon ami Michel Serrault, donc vous avez déjà bafouer le secret de la confession, c'est déjà difficile pour un prêtre, mais surtout cet homme-là a quand même bafoué le secret de l'amitié, quoi. J'ai trouvé ça assez terrible. Mais il faut lui rendre cette justice, il les a bafoués sur tous les médias. Il a fait la tournée complète. Oui, sur les médias qui pouvaient s'intéresser à ça, c'était pas les meilleurs. Il a fini sur des. Je dis dans le bouquin, il lui manquait Paris Boum Boum et des choses comme ça, quoi. C'était limite, vraiment. J'ai prononcé tout à l'heure le mot de vraisemblance, et là, je me demande si. C'est mérité pour des dernières scènes, et pas la moins émouvante, où ça se passe au cimetière, au Père Lachaise. Et tandis qu'on descend le cercueil de Johnny, Raffarin et Poncelet twistent. Oui, c'est ça le truc d'Attali, c'est qu'il a décidé de basculer dans la folie, le fameux salut ma poule de Coluche, lui a décidé de faire twister les gens qui sont là. Et alors, vous savez que Raffarin montre toujours cette fameuse photo où il est. C'est-à-dire que les filles. Montre elle des photos quand elles sont jeunes, qu'elles font des trucs à poil et tout, en disant j'étais jeune, j'avais faim, Et Raffarin, c'est pareil, il montre, vous voyez, j'ai pas. Vous avez oublié Robert Rue, qui est un ancien rocker. Oui, c'est vrai. Et donc, Raffarin est venu aux obsèques avec Poncelet, enfin, les gens, il y a le Sénat qui est là. Et Attali fait twister une répétition. Il chante en fait une chanson de Johnny qui s'appelle Avec une poignée de terre. Évidemment, il y a des circonstances, les gens jettent la poignée de terre et il se met à twister. Et donc, on voit les sénateurs qui twistent. Et je trouvais que cette image de Raffarin dans les obsèques, il y a quelquefois des circonstances assez étonnantes. Je crois que Dreyfus, le capitaine Dreyfus, est mort un 13 juillet. Dans les années 32, je crois. Il est mort en 32. Et donc, le cercueil. Contenant le corps de Dreyfus est passé, et il y avait devant un régiment qui était en train de répéter pour le 14 juillet, donc pour le lendemain. Et la règle voulait que, quand un cercueil passait, le colonel a fait garde à vous, et tout le régiment, sans savoir que c'était Dreyfus qui était à l'intérieur. Et cet hommage d'un régiment à Alfred Dreyfus au moment de sa mort, c'était quand même une jolie revanche sur le destin, quand même. Clémenceau était pas loin, dedans, compte tenu de la. 32, Clémenceau était mort. Ah, il était mort. Il était mort depuis 3 ans. Ah oui. Ah, il nous manque, et heureusement que vous êtes là. Mais oui. Avez, oh, immensissime audience cartel, que cette nouvelle année 2008 vous apporte la sérénité éternelle. Bonne année au peuple cartel! Il y a une mine d'or sur notre site RTL.fr. Comment ça, vous ne le saviez pas? Mais ce trésor s'appelle tout simplement les archives des grosses têtes. Indispensable pour celles et ceux qui ont besoin d'une bonne dose de bonne humeur. Et en 12 mois de grosses têtes, il y a bien de quoi se requinquer, être regonflé à bloc pour passer l'hiver. RTL.fr pour les archives.
Sachez aussi qu'il y a des gens qui gardent leurs ordures, que tout le monde ne les jette pas. Ah bon ? Et oui. qu'il y a une secte en Californie qui est connue pour conserver tous les détritus. C'était le cas de Howard Hughes. Je ne sais pas si vous savez. Oui, il faisait pipi dans les blagues. Il stockait non seulement ses urines, mais le reste dans des petits bocaux qui étaient étiquetés année par année. Ah, ça c'est bien. Oui. Tu avais intérêt à voir clair quand tu t'envoyais chercher de la confiture. Ah ouais. Je trouve votre thé un peu trop fort. En fait, on s'aperçoit qu'au bout d'un an, on a accumulé la valeur de 2700 litres de déchets. Ah, dites donc. Par personne, par consommateur normal. Hein, de pipi. Oui. Alors, non seulement, non, il n'y a pas que du pipi. Il y a gâteaux. Il y a tous les emballages, il y a tous les déchets. Il y a de plus en plus d'emballages. Vous achetez un produit grand comme le petit doigt, vous avez un emballage grand comme le bras. Alors, c'est pour éviter les vols. Ah bon? Bah oui, mecs, c'est pour éviter d'embarquer. C'est pareil quand tu déshabilles un mec. Ton petit truc. Attends, Amanda. Amanda vient de dire un truc essentiel. C'est qu'est-ce pareil quand tu déshabilles un mec. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Un gros emballage et un tout petit truc. Elle a dû être déçue souvent. Elle est gourmande. Oui, elle est gourmande. Oui. Ah oui, oui. C'est peut-être pour ça que vous avez pris votre distance avec les hommes, parce qu'ils ne vous ont pas apporté tout ce que vous souhaitiez. Voilà. C'est pris mes distances. Pourtant, il y a eu de la demande. Hein. Oui, j'ai des bons souvenirs, oui. Oui. Ah non, elle a dit rouler Lucas. Ouais. Oh. Vous avez fait déjà la comptabilité. Oui, pour savoir combien. Oh là. Non, j'ai une espèce de pudeur. Non, une espèce de lobotomie, vous voyez, c'est que j'oublie immédiatement après. Dès que c'est fait, comme ça me cause évidemment un petit sentiment quand même de culpabilité. Alors, hop, c'est... Elle n'a qu'une petite calculette, c'est pas plus de 10 chiffres, alors évidemment, ça on va pas vite. Il y a combien de zéros Non, mais c'est... Des fois, c'est vrai qu'on me dit, mais attends, tu dois taper des mecs. Dès que le gars remonte dans le taxi, vous arrêtez votre compteur. Fini. Oui. Ah, dis donc, oui. Non, mais c'est bien, parce qu'à chaque fois, c'est comme si c'était la première fois, j'ai l'enthousiasme. Je me souviens d'un temps où vous étiez en pleine activité sexuelle, et comme on savait qu'il y en avait plusieurs dans la soirée et que chacun repartait ensuite chez lui, il y avait une station de taxi qui était montée en bas de chez vous. Philippe, j'étais jeune. Non, tout ça, c'est fini, tout ça. Je ne savais pas ce que je faisais. Vous savez, moi, si on me fait boire un petit coup, c'est fini, je perds la tête. Ah, c'est vrai ? Je vous donne au premier coup. Il faut te bourrer avant de bourrer. Ouais. C'est bon, ça vous chantait la chanson de Le Pen. Voyez ce beau garçon-là, vous vous souvenez, Philippe? Voyez ce beau garçon-là, c'est la manda, c'est la manda. Oui, voilà, voyez la manda, ce beau garçon-là, c'est la manda, manda. Amanda Lear, Jean Amadou, Bernard Mabie, Carlos, Jacques Maillot sont là avec vous et Philippe Bouvard ainsi que Guy Carlier. Je voudrais maintenant qu'on éclaire notre lanterne sur une exposition ferroviaire, c'est-à-dire pas comme les autres et qui se tient au Grand Palais. Jean-Paul Caracalla, bonjour. Bonjour. Vous êtes pour nous, depuis que vous avez publié les fabuleuses histoires des trains mythiques, l'historien le plus qualifié pour parler de l'histoire du chemin de fer. Vous avez été voir cette exposition ? Alors, j'ai été voir cette exposition dans cette formidable gare qu'est le Grand Palais, puisque le Grand Palais est transformé en gare. On dirait la gare du Pennsylvania de New York, qui d'ailleurs est inspiré des termes de Caracalla, je dis ça au passage. Et en effet... Il y a quatre locomotives, outre celle du Tout Paris qui se sont pressées au vernissage. Oui, il y a une formidable machine à vapeur. Et puis... Alors c'est laquelle ? C'est celle de la bête humaine ? Non, elle est plus récente. Non, c'est une ancienne, une très vieille locomotive à vapeur. Il y a le Tender. C'est une Pacific 231, je crois. Oui, exactement, exactement. Et puis il y a évidemment un TGV. Il y a un TGV. Oui, et entre les deux, il y a une bébé. Ah, il y a une bébé qui a battu le record du monde. Ah, il y a Brigitte Bardot. Il y a Brigitte Bardot. Non, non, mais il y a une bébé et une CC qui
qui ont battu le record du monde de vitesse entre Facture et Morsens à 331 km/h en 1957. Voilà. Ouais. Sur le plan esthétique, on peut dire que les premières locomotives étaient moins réussies que l'actuel TGV, qui est très beau. Hein. Oui, il est très très beau. Surtout celui là que la rame spéciale qui vient de battre le record du monde. C'est assez extraordinaire, oui. Ne dites pas ça, quoi. Le TGV, c'est un merveilleux moyen de transport. Mais non, c'est pas un train. C'est très beau. C'est pas un train, le TGV. Les trains, c'est les Pacific 231 ou les 241P qui rentraient avec de la... Ça, c'était des trains. De la vapeur. Ben oui, non, mais c'était des trains. Pourquoi c'est pas un train, le TGV? C'est vrai qu'on n'imagine pas que les Manceaux dans le TGV. Non, hein. Non. Non, voilà, exactement. Très bien, le TGV. Qu'est-ce que t'as contre le TGV? Oh oui, c'est bien. C'est bien. Parler du plan esthétique, c'est beau, le locomotive à vapeur. Ouais, on dirait un suppositoire. De la Michi jusqu'au... Je compte TGV V150, celui qui a battu le 3 avril dernier le record du monde de vitesse à 574,8 km/h. Une question subsidiaire, M. Caracalla. Est-ce que l'exposition fermera ses portes en cas de grève de la SNCF? Écoutez, en tout cas, je peux vous dire qu'elle ferme le 6 janvier, donc elle ferme bientôt et qu'il faut s'y précipiter. Bon. Et qu'il y a beaucoup de monde, hein? Oui, il y a beaucoup de monde, parce que c'est très distrayant. Il y a des affiches. Vous avez vu les affiches? Oui, il y a beaucoup d'affiches de Savignac, Villemont, Colin, Nathan, De Salvador Dali aussi. Dali, de Fujita, du Trio, de Dufy. Et puis, il y a les photos des people. Alors ça, c'est assez amusant parce que on voit des artistes de cinéma, des ministres, des présidents de la République. Et puis, alors, des très belles photos projetées de grands photographes comme Willy Rodis, comme Cartier-Bresson, comme Doisneau. C'est assez joli, ça. Merci, M. Caracalla. Merci beaucoup. Maintenant, la honte de l'invité d'honneur. Une honte récente, hein? Oui, c'était il y a quelques jours, je suis allé à Strasbourg, signé dans une belle librairie qui se trouve là-bas. Et donc, vous savez comment ça se passe. On signe et puis il y a un débat avec le public dans une salle comme ça, où ils ont installé des chaises. La salle était remplie. Je commence, une personne de la librairie raconte le bouquin, parle de moi. Et puis, je m'aperçois que parmi le public qui me faisait face, deux chaises... me tourne le dos, donc deux personnes, deux jeunes filles assez jolies, semble-t-il. Enfin, je ne les voyais pas vraiment de face, puisqu'elles me tournaient le dos. Et je ne vois plus que ça. Au milieu de la salle, ces deux filles qui me tournent le dos, et j'étais très très mal. Et à un moment, j'interromps la personne qui faisait la présentation du bouquin, etc. Et je lui dis, excusez-moi, il y a là deux pétasses qui pourraient avoir la courtoisie de me faire... Et là, il me dit, non, ce sont les traductrices pour les sourds-muets qui sont en face. Oh, l'horreur! Et là, je sors les avirons, et je dis forcément une connerie. Je dis, ah ben non, alors j'essaie de me rattraper, et je dis, faites venir les sourds-muets ici, ils entendront mieux. Ah, c'était pas votre jour. Hein. Non, c'était pas mon jour. À propos d'ailleurs de la traduction pour les malentendants, le soir des vœux de notre président, il y a eu, ça c'était une véritable nouveauté, dame qui faisait des gestes. Elle dit ça, moi je croyais que c'était une histoire de couple. Tout ce qu'il disait, elle faisait un bras d'honneur. C'est vrai que si on avait l'esprit mal tourné, ça pouvait être très drôle. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, de 16h à 18h. Sur RTL. Jean Dutour, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Bouvard. Alors, je n'abuserai pas de vos instants qui doivent être consacrés à l'écriture. Je vous poserai la question de madame Le Pellet. Et je vous les pose parce que j'ai à côté de moi Guy Carlier, qui a été le Bossuet de Johnny Hallyday. Quels étaient les deux prénoms de Bossuet? Le vrai. Jacques Bénigne. Jacques Bénigne. Bonne réponse de Jean Dutour. Ah ben je connais bien, monsieur. Oui, mais vous connaissez bien aussi, hein. C'est vrai. Question de Madame Loret. Qui fonda le 1er mars 1848 le journal politique intitulé Le Moi, qui avait pour devise « Dieu dicte et nous écrivons » Et c'est un journal qui parut jusqu'en 1850.
Oui, c'était ensuite il y a eu l'univers. Son nom échappe là. C'est pas Dumas qui écrit ça. C'est Alexandre Dumas. C'est Alexandre Dumas, et pardonnez-lui, mais emporté par sa culture, c'est Jean Amadou qui vient de vous griller la politesse. Bah oui. Il est terrible, hein. Il est terrible, hein. Ouais. Ben oui. Mais je poserai plus de questions sur le 19e siècle, car tous ces souvenirs d'enfance reviennent. Ah ben, les miens aussi, hein. Merci, monsieur Dutour. À demain. Alors, naturellement, il y a quelques dommages collatéraux des gens que vous mettiez dans votre collimateur qui sont pas directement concernés, mais bon, des petits comptes à régler, par exemple, Gala. Gala et surtout les reportages consacrés au ministre, hein. Bien sûr, parce que je décris aussi les réactions de la presse, le jeu de mots de Libé, le jour de la mort de Johnny, etc. Et puis les hebdos, et donc Gala, et je parle dans Gala des hommes politiques. Lisez le passage, je parle des reportages, vous savez, dans Gala, qui nous montrent une famille française, entre guillemets, avec les photos d'un ministre, le dimanche, en famille, et la légende, la con, qui explique que monsieur le ministre vient se ressourcer en famille à la campagne, après une semaine de travail à Paris. Tu parles, Gala, mais juste de préciser qu'à Paris, le type vit avec son attaché de presse, une demi-blonde de 20 ans, sa cadette, avec des seins qui dardent. Ça fait des mois qu'il n'a pas remis les pieds dans son village d'origine. Lorsque le photographe l'emmène faire des clichés sur les sentiers de son enfance où poussent les mûriers sauvages, en tenant les enfants par la main, ces derniers demandent à leur mère « C'est qui le monsieur ?» Ben oui. J'ai des noms. Ah, c'est épouvantable. Les enfants qui disent « C'est qui le monsieur ?» Ben oui. Quel horreur. Enfin bon, c'est vrai tout ça, sinon, hein, ça serait pas imprimé. À la SACEM en plus, une société à laquelle vous devez être affilié. Quand vous faites une chanson, vous touchez des droits par la SACEM. Oui, mais j'aime beaucoup la SACEM. En plus, elle est en danger, ou en tout cas, les revenus des auteurs de la SACEM est en difficulté. Donc, vraiment, je parle de certaines fêtes de la SACEM, des fêtes onéreuses. Alors, vous dites des réunions au cours desquelles des auteurs démodés s'auto-congratulent en racontant comment ils ont écrit tout doucement, en se gavant de petits toasts aux olives avec des trucs rouges dedans. Oui, en parlant des chanteurs qu'ils appellent nos amis les bêtes et tout ça, il y a une espèce de snobisme des vieux auteurs comme ça. Vieux auteurs qui viennent pour avoir accès au restaurant du 7e étage. Mais moi, mais tout ça amène une scène très belle avec un auteur que connaît peut-être Carlos qui s'appelle Ralph Bernet et que j'ai rencontré lors d'une série séance comme ça à la SACEM, où j'étais invité. Et je vois ce monsieur, et on me présente, ce type-là a écrit L'Idole des Jeunes, etc. Et une chanson qui s'appelle Excuse-moi, partenaire, où je trouve que Johnny n'a jamais aussi bien chanté que dans cette chanson-là. Et je lui dis, on parle pendant 2 heures, lors de cette fête, et je lui dis toute l'importance qu'il a dans nos racines, puisqu'il a écrit toutes ces chansons qui sont gravées dans les mémoires d'une génération. Et je reprends l'ascenseur pour reprendre ma voiture au parking de la SACEM, et soudain, surgissant d'un poteau en béton, je vois Ralph Bernet qui écarte les bras comme ça, qui me dit « Arrêtez-vous, arrêtez-vous !» Donc j'arrête ma voiture, je descends la glace, et il me dit, à l'époque je faisais l'émission de Marco, et il me dit « Je vous en supplie, faites-moi passer à la télévision. » Et ça, je trouve que c'est assez symbolique de l'évolution de la société. Ce type qui a écrit des chansons qui sont dans nos mémoires, qui est quand même, vous voyez, qui nous a fait vibrer et tout, est là à mendier à, je pense, 75 ans, un passage à la télévision comme n'importe quel star académicien, comme ça, quoi, juste pour le vu à la télé. Ah ouais, ça m'épate. Oh bon. Ah ouais, je trouve que c'est une dérive. Bah, vous n'allez pas assez dans les parkings. Ouais. Sans... Ah, je voudrais vous faire entendre, et son nom est maintenant indissociable de celui de Johnny, qui paraît-il prend très bien ses imitations, Laurent Gérard, campant ici même celui qu'il appelle le nouveau Johnny. Ben voilà, un étranger, puisqu'il a obtenu la satillée. Je suis suisse. J'aurais pas pu choisir Berne. C'est pas facile de dire ça en Suisse. Mais le problème, c'est que il a fallu que j'adapte tout mon répertoire.
pour pouvoir être suisse, il faut que j'ai fallu que j'adapte tout mon répertoire à la Suisse. Et vous savez ce que ça donne, Philippe ? Quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? Ça décale-tu ? Amanda Lear, Jean Amadou, Bernard Mabille, Carlos, Jacques Maillot sont les grosses têtes de Philippe Bouvard cet après-midi avec Guy Carlier aussi. Quelques questions culturelles ou assimilées. Ah, enfin. Question de Monsieur Scran. Quel était le nom du club de Phileas Fogg? Le Reform Club. Le Reform Club. Wow. Jean, Jean. Il a dû prétendre. Tu as connu Jules Verne aussi. Écœurante. Question de M. Palot. À quel mandat électoral Berruyer est-il élu dans le livre de Frédéric Dard, Voter Berruyer? Garde champêtre? Non. Maire? Non. Député? Député de Montmartre ou un truc alors, comme ça? Il est député-maire d'une localité que le cher Frédéric a totalement inventée parce que le nom de ses habitantes lui paraissait drôle. Les Antibèzes? Alors, on n'est pas loin. Ouais. On n'est pas loin. Les imbaisables ou quelque chose comme ça, non? Hein, on tourne autour, mais... Yabèze. Ça se termine comme ça. Les intranchables? Non. C'est plutôt une vision positive et les bonnes baiseuses. Oui, c'est pas loin, mais je crois que vous ne trouverez pas si vous vous souvenez pas du nom de la localité. Yeah. C'était Bellecombe, parce que c'était les Bellecombaises. Ah, d'accord. Ah, c'est joli. Voilà, et ça vaudra à M. Palot 300 euros, bien mérité. Question de M. Fournet. De quoi parle Victor Hugo en ces termes? Je me remplis quand on se vide, car c'est fort rarement qu'on se passe de moi. Je renferme en mon sein le dur et le liquide. Je sers aux riches, aux pauvres, aux ducs et même aux rois. Bah, le pot de chambre. Les toilettes. Le pot de chambre. Ah oui, c'est pas des toilettes. Oh, on appelle ça des toilettes. Carlos. Question de Madame Borot. Quel est le titre du dernier roman de San Antonio paru à titre posthume en 2001? Céréal Killer. Excellente réponse de Guy Carlier. Ça s'est écrit par le fils. Oui, ça a dû plaire. Ça a dû plaire à José Bové, ça, Céréal Killer. Ah, oui. La dernière citation vient de Poitiers, où habite M. Thomas, qui a dit « L'anglais tond son gazon très court, ce qui permet à son humour de voler au ras des pâquerettes. » Oh, Daninos, oh, que c'est... Non. C'est vrai qu'il aurait pu le dire. Mais là, c'est un de nos maîtres habituels à penser. Allez. Qui en est l'auteur. Pierre Dac. C'est des proches. Bonne réponse de Bernard Mabille. La dernière histoire, c'est Mabille qui va d'ailleurs la raconter. Elle a été envoyée par Madame Delattre de Riedisheim. Alors, une jeune femme arrive chez le médecin. « Voilà, docteur, à chaque fois que je suis seul dans une pièce avec un homme, j'éprouve une irrésistible envie de faire l'amour avec lui. Est-ce que ça porte un nom ?»« Mais bien sûr, mademoiselle, » répond le docteur en dégrafant sa ceinture. « Ça s'appelle une excellente nouvelle. » Allez, joli. Voilà, un grand merci à Guy Carlier de nous avoir fait rire. Et ce plaisir se prolongera si vous lisez quelque chose de Johnny. Il y a sur la couverture le mot roman. Ne vous y laissez pas prendre. On est en pleine réalité. Merci, bravo, à demain. Approchez. On va danser le Big Bisou. Big Bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai. Nos grands-pères et nos grands-mères faisaient tellement de manières qu'ils mettaient parfois jusqu'à 100 ans pour s'embrasser. C'est un souvenir du joli temps passé. Passé. Croyez-vous au Big Bisou. La main, style ancien, noble et tout. Attention, sur la main, embrassez-vous. Stop! Big bisou,
près, de plus près, sur la joue. Attention, sur la joue, embrassez-vous. C'est quelquefois marrant, ils pensaient que les bébés, ça vient en s'embrassant. C'est un souvenir du joli temps d'avant. Mais maintenant, on s'en fout du bisou. Plus hardi, le bibi, dans le cou. Attention, dans le cou, embrassez-vous. Sous le nez, ah, pas dessous. Attention, sous le nez, embrassez-vous. Sur la bouche, embrassez-vous.